Les pays occidentaux ont récemment annoncé leur intention d'envoyer davantage d'armes à l'Ukraine et la France et l'Australie ont convenu de fabriquer et de fournir conjointement des milliers de cartouches d'artillerie de 155 mm à destination de l'armée ukrainienne. La Pologne a déclaré qu'elle pourrait envoyer des chasseurs F-16 si elle obtient le soutien de l'OTAN. Le Danemark s'est également engagé à fournir plus de 19 obusiers Caesar autopropulsé et était à l'entraînement des troupes ukrainiennes. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Zenikov, a déclaré que d'ici le printemps, ses troupes pourraient combattre au moyen de chars fournis par l'Occident.